Donc on a de tous les poissons, mais en petite quantité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, il existe la pêche artisanale. Et donc la pêche artisanale n'a jamais détruit. Parce que quand on prend, avec les filets, quand on prend 10 kilos de poissons, c'est qu'il en est passé une tonne au-dessous, sur les côtés. Et tout. Ils sont tous bons. Vous avez de la bugue. Maintenant, là, qui va arriver le passage de la bugue, vous faites ça en friture, vous faites tremper avec des oignons et du vinaigre, vous mangez ça en entrée. Certains chefs ont pris l'habitude justement de s'adapter à la pêche du jour. Nous avons donc deux hôtels, un relais château qui est en soi déjà un atout parce que je pense que c'est assez connu, le calme, la cuisine, le charme, courtoisie, 22 chambres, une vue exceptionnelle, un emplacement exceptionnel directement face à la mer. Et le deuxième établissement, ici le Miramar Beach Hotel avec une structure un peu plus grande, 60 chambres, avec un accès direct sur la mer. Le choix du mois de février, c'est quand même assez hardi, non? C'était le mois creux, et c'est toujours un mois creux par définition, en hiver sur la Côte d'Azur. Même s'il fait très beau comme aujourd'hui, les gens n'ont pas l'habitude de se déplacer, et pourquoi pas créer un événement dans une période creuse pour dynamiser le commerce local. Et ça a pris. Pourquoi? Parce que les restaurateurs qui ne travaillaient pas se sont pris au jeu et ont accepté le principe d'une kermesse aux poissons. Un événement original qui existé à une époque en baie de Somme, dans un restaurant étoilé, mais qui n'a pas perduré. Et nous en sommes à Théoule, à la 25e édition, donc c'est un beau record. Si au départ c'était plutôt local et régional, on a maintenant des gens qui viennent de beaucoup plus loin et qui se renseignent si la kermesse a bien lieu cette année parce qu'ils prévoient un séjour sur Théoule pendant le mois de février pour pouvoir faire un tour dans plusieurs restaurants. Et voilà, cette kermesse, elle vous propose, et c'est ça un peu le secret, on a un grand nombre de plats, on a une charte bien précise que tous les restaurateurs doivent respecter. Donc on a un prix sans surprise, hein. C'est quand même, il y a 8 plats. Bon, 8 plats de dégustation, on a le vin, on a l'eau minérale, on a le café pour un prix forfaitaire. Ce prix bien évidemment varie d'établissement à établissement hein, en fonction du niveau du restaurant, de la petite soupe de poisson, quelques moules bien préparés jusqu'au loup, la dorade, mais tout ce qu'on puisse, les crustacés, tout ce qu'on puisse imaginer. Vous avez une idée des endroits d'où viennent les différentes personnes qui sont intéressées par la kermesse aux poissons? Ben, c'est tous les gourmands. Alors, les gourmands, ils peuvent venir de loin, mais disons qu'ils viennent déjà de toute la Côte d'Azur, y compris de Monaco, ça on le sait. L'office de tourisme pointe en général les gens qui viennent, et ils le savent, mais quand on voit les chiffres qui dépassent l'entendement, tout le monde est ravi, les restaurateurs, les premiers. Les gens qui viennent nous voir pour la kermesse aux poissons, ça va de... moi, je connais des Lyonnais. Il y a aussi des gens, c'est plus près, mais des Mouginois. Il y a une personne à Mougins qui a fait les 24 kermesses, parce que le 25e va avoir lieu cette année, et qui faisait la majeure partie des restaurants participants chaque année. Ils notaient les plats. Donc ils notaient les plats, ils donnaient un chiffre final, et ils venaient me dire, voilà, cette année, c'est tel restaurant qui a gagné pour moi. Voilà. Après, on a des gens qui viennent de Paris. Comme je vous disais tout à l'heure, on a des Luxembourgeois qui descendent exprès une dizaine de jours en février pour pouvoir faire les restaurants pour la kermesse. Donc les gens viennent vraiment de loin, quoi.